L'histoire éclaire toujours un peu le présent. En l'occurrence, ce livre était destiné justement à essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui s'était déroulé auparavant et comment le Moyen-Orient, à travers la Syrie, connaissait une situation relativement exemplaire, à savoir des mouvements de population, des migrations sur du long terme, mais aussi des changements climatiques et écologiques qui avaient progressivement formé des paysages ruraux et des habitats dispersés à travers le pays, avec une lente reconquête du désert d'un côté et du littoral de l'autre au cours du 19e siècle. Puis, pendant près d'un demi-siècle, dirons-nous, de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 60 finissantes, un long mouvement constitutionnel avait tenté de rechercher une solution originale pour intégrer les peuples, pour leur donner à chacun une place et une position dans un ensemble politique plus large. Malheureusement, ces expériences politiques finissent par achopper devant deux urgences qui posent de plus en plus de problèmes. D'une part, une urgence socio-économique, à savoir la crise rurale, qui caractérise particulièrement les campagnes syriennes dans les années 50 et 60, c'est-à-dire comment retrouver une place dans l'appareil de production pour les paysans qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus déclassés. Et d'autre part, répondre aux urgences régionales, à savoir la guerre avec Israël et les débuts de la guerre froide. À la conjonction de ces deux phénomènes, la quête d'une dignité nationale, la dignité de la nation incarnée en un corps constitué, était une quête ultime qui était portée par chaque coup d'État qui fracassait progressivement ce mouvement constitutionnaliste pendant près de 10 ans. Au terme, une solution originale émerge, celle proposée par Hafez al-Assad, un régime autoritaire, dur, fragmentant sa société pour en acheter et en s'assurer la stabilité à venir. Mais en faisant cela, c'était aussi en écrasant une société, en écrasant ses aspirations et en la cisaillant de petites fractures multiples qui ne trouvaient plus de résolution sur l'espace politique. 40 ans plus tard, après 3 phases différentes du régime des Assad, on se retrouve devant une société qui devait faire face à elle-même, qui devait répondre à un ensemble de défis extrêmement importants, depuis le conflit de village en passant par les grandes questions d'orientation économique, mais aussi qu'est-ce que voulait dire être syrien, comment assurer un futur commun à l'ensemble des habitants, quelles que soient leurs origines confessionnelles ou ethniques. Et c'est pour cela qu'en 2011, soudainement, un nouveau volcan a émergé de ce pays à travers son peuple qui est sorti en masse. Mais face à cela, une fois encore, la solution fut la répression implacable et autre, ce qui a fait que le paysage que nous avions dessiné pendant 2 siècles se décompose progressivement en 2012.